Donc, ngai ngoko wada o netto selu dale. Pulo dimo, bi pulo dimo. Ko selu dale tun wawata itu golun inna ko fus tout temps no holi Allah. Tout temps no holi Allah. Mais à voilà non tout ben ah yon sikude ko torare Allah la minta goddo ye on ala hakil. Ono jodo to be wola gol ko torare Allah la minta goddo yon sikude ko fati Allah minta goddo on ala hakil. On ala hakil. Neddo holi do Allah ko Allah taguma nyande go awalo to maya. Neddo holi do Allah wata uddudu gol undo ko mo. Biddo dina l'islam inna dum wona torare Allah la minta goddo. Mi jona do example goto. Alpha Condé ko hundu mo wadi force special ko mbo créer force special ko Alpha Condé ka fi wonu kala mo hanyande o mayika na ro créer ne force special Alpha Condé ko fala no 3e mandat ko hundu wadno o jettali grade général be o wadi maninka 42 général malenke na dum o yettu no wadi kander larme. Japan est un héros de généraux, mais nous avons été nommés. Tellement que nous avons fait la mungu. Nous avons fait une force spéciale, nous avons fait une maman de Dumbuya Takuma, Alpha Condé. Nous avons fait Alpha Condé. Nous avons fait une 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 Alpha Condé. Nous avons fait 42 généraux, on a dit be wari be fo grade généraux pour lo siwa henda lamu be barani selu dale lamu lawongol selu dale hendo ta ko lamu hanyande maya hanyande o maya hendo ta ko lamu mati lawongol barama force special créama 475% force special on fo ko maninka 42 généraux kander gouvernement Alpha Condé fo ko maninka sina Condé ko Traoré ma Touré ma etc ma Keita ma Sidi B dum fo ko maninka ko mon bonon ari itu dum fo mamadi dum bi ari wadi coup d'état une semaine o wadi décret on abi be fo ka retraite dum na torare Allah na muyde Allah no awola itu mo be no na na dum prerasel dale yetu pinka yo wadi rni yo sikude dole Allah bura pinka ko goddo sodata e pinka 1 milliard de dollars yo sikude dole Allah dem bura dum fo dole Allah dum bura dum fo. Exemple Sadiba Koulibaly na kanko yawno lanchu go galle selu dalen pay non joni la yaltude do mi wada life on yi blogueur be maninka be go RPG arcanciel on nani ko be wonen wolde kon wono Sadiba Koulibaly ko yawno de nyande ka selu dalen ko fi ta force special on yawno viola selu dalen est-ce qu'on nani dou est-ce qu'on nani en version ko Sadiba Koulibaly wo yawno ton ko fi ta force special be ben viola selu dalen. On a dit donc qu'on maille des cellules dans les dents et on a des gens. Qu'on organise Gorgon, on a des gens. Mi wola non dou ari on wola ki mi woli mi filiti min ni denyande ci beta no pri dans cellule dalen ka gale do min ni wallahi billahi ta'ala ko war gol no cellule dalen hari be jodi ke be decidire ni on be wadi plan o si be yande fe li cellule dalen be wari mo e o groupe wono be fella himbe di do don be na woko be on felluno be feli men non kadi on e justice la ni. Justice la ni justice ala hande kadi be fella be himbe di dodon be accusa be non woko ben arno no army ko ben yay feli na kambe ko nu wada ino de ehibita kadi sifa selu dale wano be wari rijallo teli no eh gila jallo teli wara secteur wari jallo teli haande hebi pullo mardo gandal buri jallo teli haande hebi pullo mardo gandal gila ala tagi lagine mardo gandal français piji din fo en bi sifa jallo te lan joni ono famali han joni be ko monani selu dalen batti be andi ko leader jo leader ka hakile mabbe yonde kambe ko woni ko lenyol pullo leader jo pullo wondo do waawato do hendande lamungu fulbe be hetto seda lagine ginen fu hetto seda lagine ko hombo ko selu dalen ko anda ko fidum be monani mo ko be falawo ko be warir mo wono be warir jallo te li no. Yo yaw lagine. Selu dalen ya lagine hande wadu gol hundu. Election dat mu andaka. Fous andaka nora election organisete. Hina do joni Sadiba Koulibaly iwi kiba ari do bati. Mbudi ding bala ye bugol diplomat beme. Etidiam beme alaka yo bede.
O don woni ton problème. O déplacé ke kadi. Ono di wiyasanda kuyate. Be yewti ka téléphone. On yini moyo ar wari. E organise do complot be warimo. Ko nu yaltinder ton. Fure makon no imo itamone. Hay fure makon mabe mak fami makon bengu makon bolonda makon heti fure o. No. Be yettamo be tortiramo be waramo en plein 21e siècle. On non ko maninkajo. Un enfant digne de mandeng. Intellectuel, bagage intellectuel, au Sadiba Koulibaly Marikon, tout est fini, tous les Guinéens ont perdu ça. Et il y a des formateurs qui ont des formations en Amérique pour Sadiba Koulibaly Guinéen. 17 personnes, il a été premier dans le groupe. Est-ce que la Guinée a encore quelqu'un comme Sadiba Koulibaly? Ça va prendre combien de temps? 50 ans, 100 ans? Un grand intellectuel dans l'armée guinéenne. Celui d'aller dans en Guinée, il y a la justice. S'il y a la justice maintenant, là, qu'il donne la justice à la famille de Sadiba Koulibaly. Hein? Maintenant, il y a pour défendre Sadiba Koulibaly. Je fais des lives, il y a la vérité blesse. Gonga kon no musi. Bati ko marata wala do on yi wobbe ko yalti don ko oh non les jours là Sadiba Koulibaly il était parti là-bas c'était pour l'intérêt de Selou Dalen. Quel intérêt de Selou Dalen? Il était obligé de s'armer jusqu'aux dents. Hein? Combien de pistolets, combien de grenades? Il était obligé de s'armer jusqu'aux dents. Il n'est pas un intellectuel. Arrêtez d'endormir les peuples ici là. Arrêtez d'endormir les Guinéens ici là. Sadiba Koulibaly est parti là-bas, c'était pour défendre Selou Dalen, pour ne pas que les forces spéciales violent Selou Dalen. Donc c'était une préméditation, c'était une association des délinquants, c'était une organisation de la voyoutocratie. Comment Sadiba Koulibaly qui était intellectuel, aujourd'hui vous venez lui défendre pourquoi? Sur quelle cause? Sadiba Koulibaly était parti là-bas défendre Selou Dalen. Pour quel motif? Sadiba Koulibaly n'est pas un intellectuel. Sadiba Koulibaly ne sait pas, dans un pays, dans un état de droit, quand il veut aller chez quelqu'un, est-ce que Sadiba Koulibaly il est de la police judiciaire? C'est un vicier de la justice. Est-ce qu'il est de la police judiciaire? Est-ce que Sadiba Koulibaly était un vicier de la justice? Non. Comment il peut s'armer comme ça, partir déloger quelqu'un? Et où ils n'ont même pas des copies signées par des magistrats, signées par des juges, signées par des tribunaux, sentences, rien. Aujourd'hui, vous allez faire sortir les lives pour dire que Sadiba Koulibaly, parce que la vérité vous blesse, la vérité vous blesse. Comme on dit en français, là, qui cherche se trouve. Hein? Sadiba Koulibaly n'est pas un intellectuel. Comment il est rentré dans le groupe là avec Bala Samora? Ils vont se déplacer, aller jusqu'à Sesselou, déloger Sesselou chez lui, casser sa maison, sans avoir même des copies même de la justice même, rien, sans sentence, rien, sans décision d'un tribunal, rien. Et vous allez venir nous sortir aujourd'hui nous dire que Sadiba Koulibaly s'est présenté là-bas, c'est parce qu'il voulait... Il voulait participer à l'opération, il voulait défendre Selou Dalen, parce que les forces spéciales, c'était Sadiba Koulibaly avait peur pour ne pas qu'on vienne violer Selou Dalen. Mais arrêtez de raconter des conneries, on a été à l'école quand même. On a été quand même à l'école, Sadiba Koulibaly c'est un intellectuel. Pourquoi il s'est présenté ce Selou là-bas sans l'accord des magistrats, sans la décision de justice? Vous pensez que vous pouvez berner les peuples sur les réseaux sociaux? Vous pensez que les peuples qui sont sur les réseaux sociaux, parmi eux là, il n'y a pas des intellectuels qui réfléchissent aussi? Ils se présentent là-bas en vertu de quel droit? Où est la décision de magistrat? Où sont les copies? Les copies du tribunal sont signées par un magistrat, par un juge, en écrivant les motivations, vu tel article comme ça, vérification de tel document. On a vu que Selou Dalen n'était pas le propriétaire de tant. Comme ça se passe partout dans le monde entier. Et vous allez venir nous dire ici, Sadiba Koulibaly s'est présenté là-bas, c'est peut-être pour ne pas que les forces spéciales vont passer à l'acte pour violer Selou Dalen. Donc arrêtez de raconter les conneries comme ça sur les réseaux sociaux. Sadiba Koulibaly, c'est pas un alphabète. Il a étudié, il a fait des formations aux États-Unis, il a suivi les 7 pick-up. Armés jusqu'aux dents, les snipers, hein? Les snipers, vous partez déloger quelqu'un chez lui, on dirait qu'il était devenu un grand trafiquant de drogue. Hein? Ça dit,
Allez seulement, l'intention d'aller l'humilier, c'est d'aller chez lui. Vous avez vu le théâtre que Commando Farah faisait le jour-là. Il prend la voiture, pick-up là, il rentre dedans. Et vim, 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 vim. On dit, hé, hey! On tape même les mains pour lui. Vous allez venir raconter quoi ici, là? Pour endormir mes parents, peu. Pour endormir les partisans de l'IFDG. Vous pensez que les gens n'ont pas été à l'école? Arrêtez vos saladeries là, vos conneries de merde là, que vous racontez des brouhaha. Le mot français même brouhaha là, si je dis ça là, il faut aller fouiller le dictionnaire pour trouver la définition du mot brouhaha là. Ça veut dire quoi? Sadiba Koulibaly, c'est pas un intellectuel. Se présenter, c'est Seloudal, et il ne connaît pas les règlements internationaux de la justice. Est-ce qu'ils avaient les copies des magistrats pour se présenter, c'est Selou? Il n'était pas devant. Non, aujourd'hui, parce que Mamadi Doumbouya l'a assassiné sauvagement, et la honte là vous a pris, vous ne connaissez pas qu'est-ce qu'il faut dire. Non, j'ai vu des gens qui défendent le peuple. Il faut parler mon nom directement. Si tu as le courage, dis mon nom directement. Il faut pas passer par comme sa queue de serpent là. Il y a tout là, Indien, mais nous devons non. Mi godoro wondo defandu go selu dalen tout le temps mo hata ku de Sadiba Koulibaly hata ma fi wondo mi j'ai dit hein, l'assassinat de Sadiba Koulibaly, j'ai dit humainement ça me fait pitié, mais moralement, psychologiquement, physiquement, il me fait pas pitié. Et je vais dire ça jusqu'à 150 000 fois. Tellement net don no yurmi la no warirano, mais si tellement inogolko ngandi tagado dole ko sikuno ko imomari o yurmatalan. O yurmatalan ko be fala no wat gol selu dalen ko dum Allah yilti e mako a wona don ton ben non il faut pas tenir des propos ethno, mais qui est plus ethno que vous? Qui est plus ethno que vous? Comment vous pouvez débarquer? C'est un ancien premier ministre, il fait recours à la justice. Mamadi Doumbouya nous a promis que la justice sera la boussole, et cette boussole est devenue sous-sol maintenant là. Vous vous présentez chez lui. En tant que dans le groupe, Sadiba Koulibaly est là-bas. En tant qu'un grand intellectuel qui a fait des formations aux États-Unis jusqu'en Russie, ils n'ont pas les copies, une décision de la justice, rien. Ils se présentent là-bas jusqu'à ils vont aller avec les journalistes, fouiller même, filmer même les toilettes de Seloudal, filmer même dans le salon, tout ça là. Vous allez nous dire aujourd'hui que Sadiba Koulibaly s'est présenté là-bas parce que le jour-là, il ne voulait pas que les forces spéciales vont aller violer Seloudal. Mais arrête tes conneries là. Moi, je parle de Damaro, hein. Je parle de Damaro. J'ai vu la vidéo là. Damaro, arrête, arrête, arrête. Ça, c'est des. Arrête, c'est pas comme ça qu'on fait des communications. Tu viens nous dire que les gens, que Sadiba Koulibaly s'est présenté sur le président Seloudal. Tu penses que les Guinéens qui te regardent là, ou les peuples là, ou, c'est-à-dire les gens de l'IFDG qui te regardent quand tu fais les lives là, tu penses que tu es plus intelligent que les gens en faisant les communications. Tu es trop intelligent. Sadiba Koulibaly, tu devrais seulement dire ce qui s'est passé là. Il faut qu'on pardonne. Nous sommes tous des Guinéens. L'erreur est humaine. Mais ne joue pas au ping-pong là. Tu viens tromper mes parents, tu viens tromper les gens de l'IFDG là. Sadiba Koulibaly s'est présenté là-bas parce qu'il voulait accompagner le groupe là pour ne pas que les forces spéciales vont aller violer ce Lodalin. Tu racontes quoi là? C'est des conneries. Tu racontes quoi? Toi-même qui a été à l'école, qui a étudié un peu, c'est comme ça on se présente chez quelqu'un sans avoir la décision du tribunal, c'est-à-dire les copies des magistrats, où c'est écrit tel article comme ça, la personne doit quitter chez lui. Mais on vient déclarer qu'ils sont incompétents de juger le problème d'une maison de deux chambres salon, mais affaire d'Air Guinée, là, ils sont. Donc arrêtez, si on veut mener un combat là, menons un combat dans l'honnêteté, pas dans la malhonnêteté intellectuelle. Pas dans la malhonnêteté intellectuelle. Vous voulez jouer au ping-pong. Vous allez jouer au ping-pong avec qui? Sadiba Koulibaly, c'est un exemple. C'est un exemple de don. Non, il a accompagné les gens. C'était pour défendre le président Seloudal. Sinon, les forces spéciales allaient violer Seloudal. Donc, c'est une préméditation. C'est ce qu'on appelle la préméditation. Donc, ils avaient prémédité. S'il était là pour défendre Seloudal, pourquoi il s'est armé jusqu'aux dents comme ça là? Tous les groupes de cette pick-up là, qu'est-ce qu'ils sont partis faire là-bas? Les snipers là qui étaient derrière Bala Samoura là, caboulés comme ça là, avec les snipers là, c'était pour faire quoi? Seloudal, c'est un trafiquant international de la drogue. Donc, si vous voulez qu'on mène un combat, il faut qu'on mène le combat là, ensemble. Mais ne venez pas jouer le ping-pong ici là, tromper les gens. Vous n'êtes pas plus intelligent que tous les autres de 14 millions d'habitants.
Donc ça, moi, je trouve que ça, là, ce n'est pas une bonne communication de ta part. Là, on doit demander, vous devrez seulement demander pardon à ces loups-là. Tout le temps, je répète ça, là. Sidiba Koulibaly a été assassiné sauvagement comme ça. Il a mérité aussi. Il n'a pas trahi Alpha Condé. Il n'a pas trahi Alpha Condé. Ce n'est pas Alpha Condé qui l'a amené aux États-Unis. Ce n'est pas Alpha Condé qui l'a amené en Russie. Jusqu'à Poutine est venu même dire que ça, c'est un grand Guinéen intellectuel. Qui a fait ça là? Ce n'est pas Alpha Condé pour lui. Pourquoi il devrait se mettre avec le petit délinquant voyou, Mamadi Doumbouya, un assassin comme ça, un criminel, un petit bilakoro comme ça là? Pourquoi ils se sont mis d'accord avec Mamadi Doumbouya pour renverser Alpha Condé? Parce que ça dit affaire de mandat, manigatiser le pouvoir là. Doumbouya est venu jouer l'intelligence là avec eux. Ils sont tombés dans le piège. Donc arrêtez de raconter les conneries là. Il est parti là-bas pour accompagner. Qui l'a dit d'aller là-bas? Est-ce qu'il était obligé de s'armer jusqu'aux dents? Il était obligé de s'armer jusqu'aux dents pour aller chez ces loups là-bas. Est-ce que Sadiba Koulibaly il avait des copies de la justice? Est-ce qu'ils avaient une décision d'un tribunal pour qui a jugé le problème de ces loups, que ces loups devraient quitter chez lui? Donc arrêtez de tromper les Guinéens, arrêtez de tromper mes parents peu là. Arrêtez de tromper les gens qui ne connaissent pas la politique. Non, vous, je vois, il faut dire mon nom. Moi, je dis ton nom. Communication là, je n'ai pas aimé. Si on mène un combat ensemble là, qu'on soit clair entre nous. Plusieurs fois, ils sont sortis ici, ils se sont attaqués à toi. J'ai dit non. Une fois, tu avais demandé pardon. J'ai dit tout le monde se trompe, l'erreur est humaine. Mais encore, tu viens gâter tout encore. Sadiba Koulibaly se présente là-bas, c'est pour ne pas qu'on viole ces loups-là. Regardez-moi, ça dit, ce que tu dis là, ta phrase là, c'est très grave même. C'est gravissime même. Tu ne peux pas prononcer des mots comme ça. Donc, vous étiez au courant qu'on partait le jour-là, c'était pour aller violer ces loups-là. Et dans la violence, là, c'est quoi? On allait l'assassiner, non? Ce n'est pas la même chose qu'ils ont fait à Sadiba Koulibaly. Ils ont débarqué chez lui, non? Ils ont débarqué chez lui, déployé toute sa maison, non? Même au temps d'Alpha Condé, ils n'ont pas fait la même chose à ces loups. Les PV, là. Les PV étaient partis, c'est ces loups-là, là-bas. Vous ne vous rappelez pas, au temps d'Alpha Condé là, ils sont partis encore violer ces loups-là dans sa propre maison là encore. Violation de domicile. Les bérets rouges là, ils sont partis s'attaquer à sa maison. Donc, le jour là encore, le mois de janvier de 2022 là, c'était la même répétition encore. Donc, il ne faut pas sortir ici pour nous faire croire qu'il n'était pas au courant de quoi. Cette picot pour déloger quelqu'un, ce n'est pas les magistrats qui délogent quelqu'un. Aux États-Unis, là-bas, en Europe, ici, là, est-ce que c'est comme ça, les gendarmes se présentent chez quelqu'un pour te dire il faut sortir de chez toi? C'est quand ils vont juger le problème, après il y a sentence. Après ça, là, quand on dit qu'il n'a pas raison, là, les avocats font appel. Après appel encore, il y a la cassation. À partir maintenant de la cassation, ça, là, ça va aller jusqu'à 6 ans. C'est pénal. Ça va aller jusqu'à 6 ans, 8 ans. Est-ce qu'ils ont attendu ça? Bon, c'est Loudalin, bam, ils sont partis. 6 mois, ils ont construit l'école primaire là-bas. Tellement qu'ils ont une haine contre cet homme. Donc, quand vous faites vos communiqués là, arrêtez de venir berner les gens ici là. Donc, moi, je ne suis pas d'accord. Si nous sommes en train de mener un combat, il faut qu'on soit clair entre nous-mêmes. Parce que le combat qui est là, là, c'est. Nous sommes en train de mener un combat contre le CNRD, spécialement à la tête de ce voyou criminel Mamadi Doumbouya. Il faut qu'il quitte notre pays là. Il faut qu'il dégage à la tête de la Guinée. Voilà, parce que c'est un menteur, il a trahi tout le monde. Vous venez, les malinqués vont venir trahir Alpha Condé. Encore, il faut passer encore pour cacher, pour ce queue de serpent là. Vous allez parler termes intellectuels là. Vous ne pouvez pas tromper. Peut-être vous pouvez tromper tous les blogueurs, les communicants, peuls, qui sont sur les réseaux sociaux là. Mais moi, vous ne pouvez pas. Votre intelligence ne me dépasse pas. Votre intelligence ne peut pas me dépasser. Donc arrêtez ça. Si on mène un combat, qu'on mène un combat dans la dignité, il faut qu'on soit clair entre nous. Ne venez pas prendre des gens, des peuples comme des animaux, comme des stupides ou comme des ignorants. On n'est pas ignorant. On a été à l'école. On a été à l'école. On n'a pas fait la Sorbonne. Mais le peu qu'on a appris là, on connaît qu'est-ce que c'est que la justice. Sadiba Koulibaly, il avait des copies des magistrats là-bas. Ils avaient des sentences qui l'ont autorisé. C'est comme ça qu'on débarque, c'est un homme d'État. Arrêtez ça. Donc, ce qui concerne Ousmane Gawal, c'est-à-dire, oh non, vraiment, je remercie d'abord la jeunesse de Gawal.
lan welta ni on ko waddon ko mais on wadali hundo woter ko welno on ko on tayeno koloje makko den seeda Usman Gawal on tayeno bilakore yagal makko ngal seeda ko dun tum moni ngal oto walnu on lancayeno fop vitre jeden fop wadon essence nu sunno oto wangal wa on wadayeno essence kanko tigri woni wo ko mo Gawal o yayeno joni Gawal be radiko mo bariru wa bilakoro on sunnayeno oto wangal la welta ni on ko waddon ko mais on wadali golle den fop Vesco watino kon ko on yetta no cuci din fo se ko yore mako sunno oto wangal o delegation ko nabuno ko bonno oto wangal fo ko don andata sobe ari huda do nara do ina wo kanko e selu dalen ko be goto e no selu dalen e bi mon e filamo e mi torke malla fatti ke malla si men itti o sadaka juma don torke malla fatti ke malla allah yo yawin o problem do henya selu hen don gula do e wede desam torke malla fatti malla no selu dalen bi mon e filamo lajine no musi kwa goddo no anyire ni o wada mo fus o bonnana mo fus fito ino gol woko lenyol pullo o la mo tako fulbe bi huda be hakka be gono jodi do no yakadi wada complot fiye be waru selu dalen complot no be wari jalloteli no ibe jodi kadi woko lenyol mabbe no ene lenyol pullo no mari problem lenyol pullo no mari problem ndare do ko mi yatte do min ni heki tanke min e juma min e o sadaka e do e ite ka telephone ando vocal yi din son genti ke manika be ko dani la vocal lo 57 vocal son genti ko nyala hare de mo Musa wono tamin nu fulbe ben yi tan sadaka selu dale wo ko mi do ay ndogol sadaka yo wonu hara ko fi lagine fo fi duma fi pe butu e wonu lagine pour avoir la paix en Guinée. Est-ce que nous sommes en guerre civile en Guinée? Nane vocal gidin ko be danta la fo ko maninka 57 vocal nane ko be woni wota mi wolu wo selu dane yo itane sadaka e nieni ko wolu sadaka on ko fi butu e wado lagine gere no lagine nous sommes en guerre en République de Guinée. Y a la guerre civile en Guinée. On yi batti sadaka on ko minni ko hara hulbinibe ati yandi be seydata fi e karamo ko yaga be adana lan do vocal yi wo mi woli ko moji me ko minni ko ko sadaka on ko fi selu dale ko hombo anyata le nyol mu minni on fatturu ma e burane fatturu goddo go ko hondum be woni panique joni adango la 57 vocal fo ko maninka be wolana lan kade maninka wo be kadi wolana ne français me ndara video ji made mimi ne la maninka yo ndaru video mi soka yude nu je vous ai pas dit de regarder mes vidéos. Je vous ai pas obligé de regarder mes vidéos. Si ça vous intéresse, c'est votre téléphone, c'est votre crédit. Minela maninka yo jodo ndara life jam. Jamais de la vie. Je parle au nom de Guinée, au nom de toute la Guinée, mais je parle aussi au nom de mon sari, la personne que vous avez abusée depuis 10 ans, 12 ans maintenant, 13 ans. Vous êtes braqué contre une seule ethnie, c'est ça là mon combat. Il faut que ça s'arrête. Bo mi dua ka wolu gollum yo be itan selu dalen sadaka e sadaka on ko minno no be itan lagine fo den deftere yo andi ya don on yo andi goddo hare ko mi woli do kon be wuli be ya be ndari karma ko be mabbe be yay ndaroy ko fi on no be dan talan 57 vocal inu golla wo mi dua ka wolu gollum yo minno fi sadaka on ko fi butu e wado lagine e guinea fo fota yo waru de bibe fulbe nyande yon bonande fube jawdi mabbe nyando nyande madina yo sunna magasin ji mabbe yon bonana be jawdi yon wara fulbe fulpullo ala jisi yon ya lanchon galen fulbe yon felu de bibbe fulbe pay ku maninka kun ko pinkari felu no kun ko lamin girasi en tigri jetu no pay kun ko nabbe ku radio espace mamadi dumbu ya getano 200 millions de francs guinéens o yetun 200 millions de francs guinéens yon ni fami pay kun kun pay kun traore ko Ibrahim Traore ka kondo bibe fulbe ngelo warama gila alfa konde lami gila mamadi dumbu ya lami gila secture lami goddo e mo hebi be de dommage goddo e mo piddo lenyol pullo no on numara tamina do be tan sadaka on ko sadaka pel presidential dal fi yo lam du non kadi mi forsa pullo ay goto yito on sadaka mi forsa ay goto mini kander la fa ko fala do selu dal e lam ko sadaka ma koni la andi non kadi honno mi yiri dum melana to golo en detail do fala do yo itu son iti non on sodi deftere den on ni ke jeudi on iti vendredi yalla o kore mbalde kella on yiye ko alla on yiye ko mi janoki
yalla o koren balde kellal mare video am on kadi ko ngoli ko so iti on sodi deftere den e jeudi on annike deftere den jeudi juma on yaa on janne ka jami kala falado jango andono no jangi alqur'ano yette deftere den nabon ka jami e der futa jalon ka far wonir don wo ciko yetto nabon ka julirde so andi jangudo alqur'ano aden labudo yette deftere den jonnom wole tun ko ngoli do ko nanni si dun ita mai juma yo Allah o koren balde kella onnan pi gibuy ko sikano ka wada e lagine fila mungun kadi Allah yawina e golle den henya non kadi si goddo ni so gi goddo ni ko feno joko mo aka dambugal mako ko gila do bi gella wadde life ha hande mi yalti min yo woluno yo wadono ni komi wolata komi ikon mi wolata komi andi komi wolata komanda komi wolata wakilo den tun itendun evan jumaro do e jeudi sode mobeyo itu anyo no mi wolirino kala aro inugol wana isabu lenyol pullo arangol kala lamu selu dalen yatla itu fira on tigi yalla hersimo yalla wirtube kala ender CNRD mi janido ko boni presidentielu dalen o yalla yiltin yo yalla wirtube yo yalla itu fira mabbe kono très simple hande ino do kote amara mamadi dum yano fala no nangugo kadi amara sokamo tortiramo meme be conseil mo woso wadi dum joni are kadi amara ko biddo maninka nota wadunu me fondo do yetti distance amara ala hande kadi accès argol ka palermo medecin Idi Amin tonganama to mai tun joni ite on sadaka tun Idi Amin tonganama joni kanko mamadi dumbu ya bala ide de mamadi dumbu ya wala ki ay goto mabbe ande kadi complètement bala samura wolo ta hay telephone ni aldabe mamadi dumbu ya kadi no nati wadgol enquête jigo ko kanko tigiri ko hande o jodo to ina o jamfama. Et j'ai un message aussi à dire à tous les leaders là. Je commence sur l'IFDG, IFR du président Sidi Touré, RPG Arc-en-Ciel. Le message là aussi, c'est vous. Mamadi Doumbouya, comme il sait qu'il a échoué, il pense qu'il est trop intelligent. Écoutez-moi, hein. Le ministre qui est en train de partir dans les sièges de tous les partis politiques là, voilà le projet qui est là. C'est pour aller plaider encore de soutenir Mamadi Doumbouya, de prolonger encore la transition, de former un nouveau gouvernement avec la société civile. Je m'adresse à tous les grands leaders là. Si vous rentrez dans les pièges là, il faut oublier la politique en Guinée. Vous allez encore donner l'occasion à Mamadi Doumbouya de se cramponner au pouvoir. Ici, il n'y a pas de négociation. Tous ceux qui sont en train de faire là, et l'autre là, le nouveau, vous avez vu, Mori Kondé, Kondé c'est Kondé. Tout est, c'est-à-dire, le pouvoir est manicatisé en Guinée. Le ministre des territoires et de l'administration, c'était un Condé. Le deuxième encore, c'est un Condé. Vous avez vu, non? Condé. Condé 1, Condé 2. Tout est manicatisé, le pouvoir. C'est le système. L'armée est manicatisée, le pouvoir est manicatisé. C'est le système. Maintenant, je m'adresse aux leaders là. Son nati doit birdi. Et nous allons dire de ton négocier. D'abord, il n'y a plus de dialogue. Voilà leur projet ici, là, il y a du dialogue. Il n'y a plus de dialogue. Dialogue à la hande kadi, il n'y a plus de dialogue. Il faut refuser les dialogues là. Il n'y a plus de dialogue. Parce que il reste combien? 4 mois, 3 semaines. C'est ce qui reste Mamadi Doumbouya pour rester au pouvoir. Mais comme les communicants, les blogueurs de Mamadi Doumbouya là, eux, c'est des naïfs là. Mais le CNRD, c'est le bang-bang qui va venir là. Mamadi Doumbouya ne pourra pas dire qu'il va rejeter encore, qu'il va prolonger la transition là. Ça ne va pas marcher. Vous savez pourquoi? Parce que c'était un idiot, un alphabète. C'est lui qui est parti de ses propres grés. Il a signé des documents. Il a remis les copies à la communauté internationale. Jusqu'à 31 décembre 2024, ni moi, ni quelqu'un de membre de mon gouvernement ne sera candidat. Vous savez, l'armée, c'est l'honneur et la parole. L'armée tient beaucoup à sa parole. Hey, petit Jordan, la signature là, ça va te coûter de la quinine. Tu as jugé les dadismes. Dadis, c'est ce qu'il disait, non?
Moussa, Moussa Keïta, Dadis ou la mort, hein? Dadis, quand il était sur l'autoroute là, qu'est-ce qu'il qualifiait des leaders là? Les apatrides là. Voici, le pouvoir c'est moi. Et même si je suis candidat demain, ça va faire quoi? Mamadi Doumbouya, toi, pour toi c'est très grave. Tu as signé des documents, tu as remis à la communauté internationale. Alain Focard est venu, tu as parlé avec Alain Focard à la télé, devant tout le monde, RFI. Tu as dit, ni toi, ni un membre de ton gouvernement, Ousmane Gawa, ton porte-parole maudit là aussi, ce voyou-là, ce qu'ils ont fait à Gawal, il a dit qu'il est de Gawal. Il a été chassé là-bas comme un chien. Aïno Beradiri Moton, Aïna Bilakoro, on l'a beaucoup. Tu n'as rien vu encore, Ousmane Gawa. Aïa la Fouitao. Même si je suis candidat demain, je peux gagner les élections. Il faut aller au siège d'abord de l'IFDG. Dire que tu es. Il faut aller là-bas d'abord. Donc, tu dois être candidat. Toi qui mets les têtes de mort là, tu vas mettre ça pour ton papa un jour. À la fin, tête de mort là, tu vas mettre ça pour ton papa. Un maudit comme ça là. Je ne t'écoute même pas. Ouah, des cœurs qui disent. Donc, ça va être candidat Ousmane Gawal. C'est quoi? C'est quoi? Ça a holi horema. Mandela, l'envoi de live, c'est un gars qui m'a dit. L'en direct, c'est Mandela, c'est un gars qui m'a dit. Donc, Ousmane Gawal, si mon holi horema kota, yo yai, ka siège IFDG. Oya ton tao, ina mwari tu natugo. Naron denyande ono be sekir tamo. Be sekai mwa be sekito. Be sekitamo. Konongo ya chani Ousmane Gawal. So fudi ke no wolu gollo inde se ludane ni. Si wope mo yalti no kona kirton. On fudi ke. Tadi on fudi ke bepingol mo banto mo. Hela mo ndakasi. Hela mo ndakasi Ousmane Gawal. Haro hakino ya wagol se ludale. Me ko feki Gawal kon. Ça c'est une leçon pour toi. Kobe wad ma gawal kon, c'est une leçon. Aya le fuitao. Wo kanko wo ko mo gawal. Ndari le no beradir ma gawal na bariru. E barane la wongal kedi wana tata. At kwa bariru i bariru. Kwa bariru hudan Ousmane Gawal. A her sata, a hulata sumata de do tako. Ya jo kitun selu dalen. Kayar da wo ko inde selu dalen woni ka seko ma hudado. Kefero. Adem mo ala dignité mo hersata hulata hersata sumata de dotako bila koron wano ma wela ko aya waita pande berne ma selu dalen ya waita pangol berne ma contre selu dalen kako kudinanguma kako dille Mamadi Doumbouya de woma nangu woni landi go dille ma ko de ko dille Mamadi Doumbouya de woni on nangu de ni CNRD ne bata haray la mungulani on fo kadi me uka wonka ka maison centrale. Vous serez tous jugés. Il m'a dit qu'on détourne d'ado. Il m'a dit qu'on fait un. Eh non. On y filme un doux qu'on tourne qu'on quand qu'on est mignon ma coca. On y filme un doux. Il a retiré notre terrain. Et là-bas, c'est ma. Et comme ça. Il y a qu'il faut qu'on théâtre, il faut qu'on filme. Quand on bate au mignon ma coca, on dit la mini mitawaka et doux. Affaire de famille, t'en as dans l'air temps. Coup politique. Affaire famille, au gâti terrain, et galé amendin, au adini. Jajira bien, hay kotira wa menjano wando franson, hay kanko yombe alave tu gundir de jaka fo nunko birdi. Kwa argol tu nada la here. Minimum tawaka idun. Yun siupade dan. Affaire famimo ya e regulon. Jaka fo ko teatro nun fenande. Fi jango bena. Dim koregi ko darni do. Be ta government inu wo ko kan. Jaka fo ko teren gisoso bembe ya be jati forse. Be jati o ya e dumani do. Fenugol. Me Allah. Dieu, Allah kolando. Allah kolando. Mi hola yon kiki de do video bawori. So ndari yon video njala yon hare du mon Moussa. Donc, Moussi be fulbe gine. Kodumi wola fala wola ngol. Fondo do ni Mamadi Doumbouya e Amara. Idi Amin, Bala Samoura. Kontakta la. Imo tonga ni be algol kapale. Imo tonga ni hay telefon al dabe an dekadi. Yoandi minion menen be blogueur be communicant be blogueur e communicant no genta ko menen jonata information Mamadi Doumbouya kanko tigri mo wonde be wanda ko bandibe lui même il ne sait pas maintenant ils sont en train de nous montrer que Mamadi Doumbouya a renouvelé palais mon médecin eh les gens là n'ont pas honte tandis qu'à Conakry les gens n'ont même pas de quoi manger il y a pas de courant il y a pas d'électricité aujourd'hui le nouveau slogan à Conakry là quand le courant se coupe là. On dit seulement Alpha Condé n'a pas fait. Vous n'avez pas honte.
na slogan na mini kona grilleri tenu kupetu ina alpha konde na fafi ça là ça ne le fait pas honte. C'est pour vous dire que l'affaire de courant là, je vous ai dit que j'ai détesté beaucoup Alpha Condé. Mais affaire d'électricité là, c'est Alpha Condé qui a mis ça en point, un peu quand même à Conakry, avant qu'il ne soit délogé de son pouvoir là, le 5 septembre 2021. Donne à César ce qui appartient à César. Regardez le slogan maintenant. Et quand on coupe le courant, on dit Alpha Condé n'a pas fait. Il faut mettre là-bas aussi Pivi Fan n'a pas fait à nous, Marcel. Ils n'ont même pas honte. Regardez la vidéo là, ça c'était hier soir. Regardez. Pas de courant, rien. Ça c'est à Conakry, en plein Conakry là. Ça c'est hier. Regardez, à Conakry, il n'y a pas de courant. Ça c'est hier soir, la nuit, à 20h. Regardez. Regardez. Carrefour Yembea. Il n'y a pas de courant. Regardez. Ça, regardez encore. Mamadi Doumbouya, il n'y a pas de courant. Hein. Regardez. Ça, c'est hier soir, il n'y a pas de courant. Regardez l'eau. Regardez comment il pleut là. Hein? Ça, c'est à Conakry hier. Et vous allez venir nous dire, Mamadi Doumbouya, hey, il a renouvelé le palais, mon mec. Nous, on s'en fout de ça. Est-ce que c'est ce que les Guinéens vont manger par jour? Voilà le petit même qui est en train de manger du mangue. À Cancan là-bas. Mangora et tchere, pas yon kono nyamu de. Oye, Mamadi Doumbouya, ou me djegi ma fia la, a tchoutou fingou la mouyaha. Il faut partir. On n'a plus besoin de toi en Guinée. Tellement qu'il y a galère là-bas. Aïe, mango benda l'état, pas yon kono yaku de mangore. Hé tchere, Cancan. Ça, c'est à Conakry. Hein? Ça, c'est à Conakry. Regardez hier soir. Regardez, il n'y a pas de courant. Vous allez venir nous dire, Mamadi Doumbouya, il a renouvelé le palais, mon médecin. On s'en fout de ça. Est-ce que c'est ce que les Guinéens vont manger par jour? Qu'il a renouvelé Cancan là. C'est ce que les gens mangent? C'est ce que les gens mangent? N'importe quoi. Mamadi Doumbouya, il sait qu'il ne peut pas rester au pouvoir. C'est-à-dire, ils l'ont induit dans l'erreur là. Les Bala, Idi Amin, parce que Idi Amin, c'est le Satan 1. Le Satan 1, Mamadi Doumbouya ne connaît pas la politique. Il n'a pas été à l'école, il ne connaît rien. Idi Amin et Bala Samoura là, ils ont créé leur clan. Ils sont venus maintenant amarrer le pouvoir. Bala Samoura guette le pouvoir. Surtout Idi Amin, Satan 1. Satan 1, tout ce qu'ils ont signé avec Mamadi Doumbouya, ils vont faire le coup d'État là. Après le coup d'État là, ils vont faire les accords de Ouaga, comme ce qui méthode Alpha Condé là, accord de Ouaga là. Ils vont organiser les élections, ils vont remettre le pouvoir à Kouyaté. Maintenant, Idi Amin se rend compte que Mamadi Doumbouya, il est affamé de pouvoir, il ne veut même plus laisser le pouvoir. Maintenant, c'est devenu un problème pour eux. Mamadi, Idi Amin, le jour qu'il était sorti là, que les peuples ne sont pas des Guinéens là. Les sous-sous, il n'a même pas dit sous-sous, il dit so-so, comme il n'a pas été à l'école. Le peuple vient de Tanzanie. Je ne sais même pas quel est son professeur d'histoire qui lui a même donné les cours là. Que le peuple vient de Tanzanie, il ne connaît même pas l'histoire des peuples. Mais c'est lui qui est là, qui veut faire donner les cours de leçon de l'histoire aux Guinéens. Le peuple vient de Tanzanie. Un ignorant mental, comme un vieux con, un vieux Satan comme ça là. Donc, Mamadi Doumbouya se rend compte maintenant. Il est en train de mener ces enquêtes-là. Il voit maintenant que vraiment les gens-là cherchaient le pouvoir plus que lui. Les gens-là, comme ils l'ont rendu impopulaire maintenant, il faut faire révolter la population maintenant pour déloger Mamadi Doumbouya. C'est ça maintenant j'ai dit Mamadi Doumbouya. Entre Mamadi Doumbouya et Idi Amin maintenant, c'est comme ce que je disais à Sadiba Koulibaly. Il faut passer à la vitesse supérieure. Ou Mamadi Doumbouya va éliminer Idi Amin, ou il va l'arrêter. Ou Idi Amin va passer à la vitesse supérieure pour framponner Mamadi Doumbouya. Vous savez, quand ils ont dit que le coup d'État, deuxième coup d'État intellectuel là, qu'est-ce que je vous ai dit le jour là? Mamadi Doumbouya ne se coude Mamadi Akil. Oui, moi, tout de Idi Amin, ministre de la Défense, n'a pas non kugo Idi Amin. Mais non, quand il se coude Mamadi Akil, Idi Amin, il n'y a pas ministre de la Défense. Ko itugonu Idi Amin ministre de la défense wada moy département go yo inano goddo mo fala non joni nanga Idi Amin. Idi Amin ni jamais Idi Amin ni sina ko wada président
ma o yata ministre de la défense. So il ministre de la défense ko do mi wona non Saliba Coulibaly, mais il m'a pas écouté. Saliba Coulibaly m'a pas écouté. J'ai dit dans ma vidéo, j'ai dit on préfère Saliba Coulibaly plus que Bala Samoura, Idi Amin et l'autre là, et Amara et Bala Samoura. Parce que j'ai dit Saliba Coulibaly c'est un intellectuel, il a étudié. J'avais ma vidéo là existe comme vous, tout ce qu'on dit là. Vous mettez seulement côté d'ethnie là. Ma vidéo là existe. J'ai dit on préfère Saliba Coulibaly parce que il est de l'armée républicaine, c'est un intellectuel. Un intellectuel peut réfléchir plus qu'un alphabète. Un alphabète ne peut pas réfléchir comme un intellectuel. J'ai fait la vidéo, j'ai dit Saliba Coulibaly, il faut passer à la vitesse supérieure de 90 degrés. Sinon, d'ici jeudi, Mamadi Doumbouya va t'élever. Il va t'enlever. Lundi, pap! Mercredi, il a enlevé Saliba Coulibaly. Ils sont partis même lui déloger même à la cité ministérielle. Je suis sorti, j'ai dit Saliba Coulibaly, c'est fini. Prends tes précautions, c'est fini. Hein? Entre toi et Mamadi Doumbouya, il ne faut plus même rêver même. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Maintenant, Mamadi Doumbouya se rend compte qu'on l'a trompé, on lui a menti. C'est ça, quand Mamadi Doumbouya dit qu'il a été trahi, là, le mot là me fait tellement rire. Voilà un idiot comme ça, un poubelle matologue. On t'a lavé, on t'a sorti de l'eau sale, on t'a lavé, tu es devenu un être humain. C'est lui qui t'a donné tout. Tu le prends, tu le fous dans une voiture et tu le fais passer dans l'axe, dans le quartier de ses ennemis et puis ses miches déchirées. Et tu dis au chauffeur aussi de s'arrêter, ils vont faire les photos d'Alpha Condé pour publier ça sur les réseaux sociaux. Voilà, je me suis adressé au ministre de la Justice là. On y doka. Mais wadi life do mi attaquer ministre de la Justice Kabayon. Minimo sgobi maninka sgobi do maninka. Yo auditi enquête joni inugol, mo fala andugol mai de sadi bandel no wadir no. Ay jakane me wala ka réseaux sociaux do be jodo to be gento me. Oyi ko imini ko oyini joni mo fala enquête no Saliba Coulibaly mahir no. Oyi Mamadi Doumbouya itti mo ministre de la Justice. Mamadi Doumbouya jo ini goddo ko. Oyi jaka be ndaray me. Si me wadde life be jodo to be arabe be fo be concentrer ka vite téléphone gi mabbe be ndaru de me. Oyi ko wala ni on ko. Himbe be no di mo ni ah odo ko pullo woni fulake ka men forte a fulake tunyale. Kono be nire. O pullo ko wol ka réseaux sociaux do ko gonga. Onon fo kon bibbe mandeng o do warama ni mardo gandal intellectuel yo ko woli kon ko gonga landi enquête ya fala enquête fidu on a dit hunduko makko kon e on enquête on yi Mamadi Doumbouya ya itimo ko ministre de la justice be wadi ministre de la justice go kadi keso on yi ko goddo ina taw o réseaux sociaux ala dole ko fenande ala ko be wuli sina réseaux sociaux ko no français ben yuri mali ko réseaux sociaux. Les réseaux sociaux radis français, ben Mali, Burkina, Niger, partout. Partout, quoi, nous. Donc, cas Sénégal, on y a dit Sénégal, mais voilà, non, non. A été mis déclaration, Diouma Faye, mais non, c'est fini, affaire de panafricanisme. Sénégal, mini, c'est gâté. Mais les Sonko, Diouma Faye, ils ont trahi les panafricains intellectuellement. Mais comment il peut qualifier Mamadi Doumbia, président de la République? Tiani Traoré, Assimi Goïta, il les qualifie président de la transition. Mais ici, il y a une trahison, trahison intellectuelle de panafricanisme. Mais c'est très dangereux. Mais peuple du Sénégal, là, je vous donne 3 mois ou 6 mois. Vous-même, vous allez sortir sur la route demander la démission de Sonko et Diouma Faye. Vous avez vu ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui. La déclaration, moi je vous ai dit, un être humain, quand tu me parles seulement, un mot, je retiens dans ta phrase. Quand Diouma Faye est sorti ici, il a qualifié Mamadi Doumbouya président de la République, général Mamadi Doumbouya président de la République. J'ai dit, oh, peuple de Sénégal, on vous a trahi. Chers Africains et panafricains là, on se sent trahi de Sonko et Diouma Faye. Mais c'est fini pour nous, on nous a trahi. Comment il peut qualifier Mamadi Doumbouya? Quelqu'un qui a tué, qui a assassiné, qui a les mains sales dans le sang, il le qualifie devant le monde entier président de la République. Or, ils sont intellectuels. Ils connaissent très bien que Mamadi Doumbouya est un président de la transition. Mais Assimi Goïta, les autres là, il est très de président de la transition. J'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas dans le discours là. C'est une trahison intellectuelle. Ça,
ce n'est plus des panafricains qui sont en train de nous parler là. Je dis, la trahison intellectuelle est rentrée dedans contre le panafricanisme. Diouma Faye, regardez aujourd'hui Diouma Faye, Sénégal, Burkina, tous les autres pays là, les blogueurs là, regardez ce qu'on dit contre Diouma Faye. Même ici, les Sénégalais, quand hier j'étais avec un Sénégalais là, non avant-hier, j'ai entendu ce qu'il m'a dit, que tout le monde est déçu de Diouma Faye. Tout le monde est déçu de Sonko. Tout le monde est déçu de Sonko. Tout le monde. Mais comme moi, je ne suis pas Sénégalais là. Moi, quand Sonko était arrêté là, quand ils se sont mal comportés vers Sonko là, ils ont cassé la voiture de Sonko. J'ai fait plus de 3 vidéos. J'ai dit à Macky Sall, ça, c'est pas la démocratie. Au président Macky Sall, j'ai dit, ça, c'est pas bon. Arrêtez de vous encharner contre Sonko comme ça. Maintenant, aujourd'hui, la jeunesse sénégalaise, la jeunesse africaine, les Africains panafricains, les grands intellectuels, on va commencer sur l'autre là, comment il s'appelle? Franklin Yamsi. Franklin Yamsi, le grand professeur d'histoire internationale, Franklin Yamsi, aujourd'hui, c'est lui qui soutenait Sonko. Et Sonko, quand il était en prison, il a fait combien de lives pour défendre Sonko? Sans compter Nathalie Nyang, qui est à Genève, là-bas en Suisse. Combien, même moi, beaucoup d'autres personnes se sont fâchées contre Macky Sall. Aujourd'hui, les gens même réclament encore Macky Sall. Et là où je vous parle comme ça, là, ils sont même en train d'organiser encore des mouvements contre anti-Sonko pour que les gens là vont aller manifester, demander la démission de Sonko et le président Diouma Faye. Mais moi, je ne rentre pas en discussion de ça parce que je ne suis pas sénégalais. Seulement ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on a le droit de s'exprimer, parler de ce qui... J'avais averti les Sénégalais. Le jour qu'il a prêté serment, il a qualifié Mamadi Doumbouya, président de la République. J'ai dit, oh, on nous a trahis. Ce n'est pas le Sonko là qu'on connaissait hier. Parce que avant que Diouma Faye prenne des décisions comme ça, lire, Sonko sait lire, c'est un grand intellectuel. Sonko a vu la liste là, ce qui était écrit là-bas. Il pouvait dire à Diouma Faye, enlève ça là ici. Ne qualifie pas Mamadi Doumbouya comme président de la République. C'est là-bas que tous les Africains ont été déçus même. Et j'étais le premier à dénoncer ça parce que beaucoup n'ont pas compris. J'étais le premier dans le monde entier même, je peux dire, sur les réseaux sociaux, à dénoncer la déclaration de Diouma Faye. Comment il peut qualifier Mamadi Doumbouya, un sanguinaire, un criminel, un narco, un vendeur de drogue, tu le qualifies président de la République de Guinée. Général Mamadi Doumbouya encore. Les grades qu'ils ont mis dans l'assiette là, les grades de plateau d'or là. Il sort de l'avion, on lui demande, on dit que... Vous avez vu quand le ministre des Affaires étrangères de la Russie est venu en Guinée? Est-ce qu'il a osé même de mettre ces grades là? Est-ce que Mamadi Doumbouya a osé même d'utiliser ces grades de généraux là? Il a vu l'autre là, sans grade. Ils ont parlé sans grade. Tellement qu'ils sont des analphabètes. Ils vont aller écrire en bas où il y a le ministre des Affaires étrangères de la Russie. On écrit là-bas, président de la République. Président de la République, côté de Ouyasanda aussi. J'ai dit, mais les gens là, l'école est où chez vous là? L'école, ça dit, quand on me dit même que Ouyasanda est un docteur en quoi? Docteur en quoi? De la ouyafologie? Docteur en ouyafologie? Des menteurs comme ça là. Docteur en quoi? Il est docteur en quoi? Docteur en quoi? Les grades malhonnêtes, et tel est docteur. Docteur en quoi? En sorcellerie ou en quoi? Docteur en quoi? En sorcellerie ou dans la pédophilie? Quoi? Arrêtez de nous raconter vos conneries là. Vous ne connaissez même pas comment un étranger qui rentre chez vous, comment fonctionne la convention de Vienne sur le plan de la diplomatie intellectuelle. Si quelqu'un vient chez vous, les drapeaux, c'est-à-dire ils vont aller mettre les drapeaux guinéens partout. Ça, non. La drogue. Quand il est venu en Guinée, Mamadi Doumbouya, est-ce que s'il était généraux là, pourquoi il n'a pas utilisé ces grades là? Si on a été grade, il m'a accordé au Houli Holoko. N'importe quoi. Des criminels comme ça qui viennent prendre un pays en otage. Aujourd'hui, c'est lui qui dit qu'il est enquête. Il est en train d'enquêter Idi Amin, Bala Samoura et Amara. Ça, c'est entre vous là-bas. Amara aujourd'hui. Hey, CNRD, vous êtes des bandits. Vous avez vu quand ils ont assassiné Sariba Koulibaly? Qu'est-ce qu'il faut faire? Amara va sortir, il va prendre sa main là, mettre. Parce que ça même, ce n'est même pas des bandanas, du scotch.
Il prend sa main, il va mettre Discord sur sa main, il va partir s'asseoir en montrant sa main comme ça, on fait la photo pour que tous les blogueurs, les communicants vont parler de ça. Mamadi Doumbouya Amara, aujourd'hui ça ne va pas entre eux. Regardez même, ils ont blessé Amara sur sa main. Vous êtes des voyous, vous êtes des délinquants. Vous n'êtes même pas expérimenté même dans la voyoutocratie, dans la délinquance. Vous êtes des enfants. Il faut bien regarder la photo. C'est arrangement. Ils sont arrangés. Quand je vais m'asseoir comme ça, regardez la position. Si quelqu'un est assis par surprise là, on prend une photo de la personne, on connaît. Une photo surprise là est différente d'une photo organisée. Donc la photo d'Amara là, c'est une photo organisée. Regardez seulement sa position, comment il est assis. Il soulève sa main pour montrer sa main au photographe. Vous pensez que vous êtes intelligent? Vous pensez que vous êtes intelligent? Pour que les gens s'occupent de ça, Amara, ça ne va pas entre Mamadi Doumbouya et Amara. Ça, c'est une photo arrangée. Parce que quand une photo est arrangée, tu peux pas prendre ta main, montrer comme ça au photographe. Regardez seulement la position. Il prend sa main, il fait comme ça là. Vous êtes des petits bandits, des voyous. Vous n'avez même pas d'expérience. Vous n'avez pas d'expérience dans le banditisme. Vous seulement arrogant. Vous êtes arrogant. Vous êtes des retardés mentaux. Vous pensez qu'on peut diriger un pays dans le banditisme, dans les mensonges? Vous allez mentir jusqu'à quand? Voilà un farfelu qui disait ici, Mamadi Doumbouya a fait des routes. Et comme ça, ils sont incapables de trouver même l'argent pour arranger une route de 10 km. Pas 10 000 km, 10 km. Je vous ai dit qu'ils n'ont pas l'argent. Ils n'ont plus d'argent. C'est le problème le plus grave en Guinée aujourd'hui. Devant Mamadi Doumbouya là, Mamadi Doumbouya ne maîtrise plus. Mois de juin là, c'est fini, les fonctionnaires n'auront plus de salaire. Aucun fonctionnaire ne sera payé à partir de ce mois-là. C'est fini, hein? C'est fini, il n'y a plus l'argent. Vous allez voir, les fonctionnaires, les militaires là, il n'y aura plus l'argent pour payer les gens là. On vous a tout le temps dit qu'il n'y a pas l'argent. Ils sont incapables d'arranger une route de 10 km. Hein? 10 km. Vous avez entendu la déclaration de ce clown-là, le clown Ousmane Gawal. Les Guinéens n'arrivent pas à payer le courant. 80%, il faut payer le courant. On vous a dit qu'ils n'ont pas l'argent. Le projet de Rio Tinto, tout ça là, c'était frappe à l'œil. Quel est l'homme riche qui va venir investir son argent en Guinée, qui va remettre aux gens qui ne sont pas légitimes au pouvoir? Vous pensez que les gens n'ont pas été à l'école, hein? Comme vous êtes des analphabètes comme ça, tout le monde est bête. Hein? Lorsque les gens viennent acheter en clando comme ça, là, 200 000, 300 000, c'est de ça que c'est ce que vous prenez aujourd'hui pour vivre, non? Port autonome, là, on ne parle même pas. Qui amène des voitures en Guinée aujourd'hui? Non, personne. Qui amène des marchandises? Personne. Vous êtes bloqué comme ça, vous avez bloqué l'économie d'un État, d'un pays de 14 millions d'habitants. Vous allez nous montrer maintenant, Mamadi Doumbouya a arrangé le palais Mohamed V. Les Guinéens mangent ça. Ça, c'est de la nourriture, c'est du fromage, c'est quoi, mayonnaise, c'est le pain. Ils vont aller arranger là-bas. Ça regarde qui? Les gens veulent manger à leur faim. Vous nous montrez qu'ils ont renouvelé quoi? Ils ont renouvelé quoi? Est-ce qu'il a été légitime même d'aller là-bas? Il a été élu par qui même pour rentrer dans cette maison? N'importe quoi. Donc, Monsieur Befoulbe Guinée, Mihadi, partagez vos vidéos, quand il groupe qui font un kick. Donc, Ofi Sadakado, t'as une figure fille, il t'a tout, il t'a Allah, il t'a Sadakan. Daro non kadi komi wola ni kon kon ni ne telimile on te dina kadi ha telimile de do balle kadi sen ti on sadaka e juma ro do wallahi billahi tallahi ndare ko woni arde la gine ko fi alla o tan nabi je jodo non daro on te dina kadi telimile ha nyande al giama fanke ite kala siku do ko komo yagal mo ne wolirde ni tertebe ite ite harano labiri poi udite berne menden ite sadaka on Jode den dare. Kwala, isi kobe ko pinka ge tata ita di bandibe. Alla no mari dole itu golpe e lamu. Hara selu dalen joga kai pinkari. Hara en joga kai hai mesela. Kondu woni Alla woni wawata. Sari ba kulbali ando no hande mawadi dumbu ya koni wari rai no.
sa wola no modu yo accu yagol kasselu dalento enen o enata nondo joni ko berdo joni be defandamo woko woko protege gol sello yawno to nani fenande ko wolata nani penta penale ko be wolatande ko ande be yaltata be wola dum ko fiyonu be wolana dum gila on sai be sukude do bare do dainu gol bibbe fulbe ben fu bibbe fulbe ben ha ekol ala mardo ngandi ala yawdo famudo politique mene do goddo arata do wola do birdi birde hore presidential dale men fanka ko fe'i kon fe'i filli tata ko ande kadi gardo be organisa be ya be warar mon wono jallo teli e bi sifa jallo teli ande biddo pullo mardo gandal français wono jallo teli hebi yo ande kadi jallo teli jakari ko vrai pan africain révolutionnaire international aduna la fo no aduno do do tigri no tampina no tampinde no hay ay français be me jallo teli famale oyna do kanko secteur ko koto mako koto ya wahe bude koto kapere no wahe dugol leñol ma fi o election do foko badi ko sello woni yeso ko kanko gagnato election jidi ko dum blokison no wada be bloki fi election haybe wolata me mayantu iten tun sadaka on e jumaro do ko jumaro do de iten sadaka on deftere ndem mo be ko e sodo e jeudi anyo do oya no noddi lan ɗo no jalde la wome anda o no inete jeudi e pula wo ko alkamsa mini mi anda o mi alani on kon kapere mi woni no kapere wo mi anda no inete jeudi e pula wo jali ha redu ma ko musi senegal min na wadon awadon non ko don don partage o video ka der groupe ifo hara e kikire donc ko dun ko en wakilo ala ko alla ronki ko alla mari dole o yimi joni o example o pullo da nganyane di makonde bena yo itu sadaka ta onyamu fus no imo mari mbudi imo mari pigidi fo me imo anyani berne ne no bawli wa urere me hino do koyde den fo ta ya joni wanda no ben karamo ko be wonno ko dum ko on acci dan karamo ko be ino no yo itto on sadaka fita koyde mako den tay me no jentaki kanko sodu gol lagge 5 million 4 million 3 million 2 million hirsana jonate on fo miskine be no dum wala naki mo kaberne mako mardo non koreji der ko nakri fop na kanko woni kanko non jodi wala koyde hore jawdi ko mari kon fo Allah ino do ko Allah yobiti mako donc dum minio son jangudo ullo Allah wo no fami ko kofiri ko ullo Allah sa jangi afiri ko woni der ullo Allah ko afama Allah ko lando walam yakulla ukufa nahadu sa andi dum ko ndum firi are andi piji buy kadi donc partage o video kadi ka der groupe il faut ta en décourage yete anio don la pos e jeudi julon anio don deftere nde yaw jo ino ka jamiu